Et non, non, il faut qu'on arrête de parler de ces trucs d'enfance et tout, parce que moi, ça me rend triste. Je propose qu'on reprenne le spectacle, The Real Show, vraiment le show stand-up à l'armoricaine, hein. All right, ladies and gentlemen, let's go. Hé, hey, arrête, il est fou, le mec des lumières, il a éclairé le public. Tu fais jamais ça, t'es fou, toi. J'ai vu des gens et tout. Il y a des gens bizarres, hein. Vas-y, refais. Waouh, il y a des jolies filles. Pas autant. Ah là là. J'aime bien ma petite chaise. Savez où je l'ai achetée, cette chaise? Ikea. Ikea. Comment tu sais? Comment t'as réagi au quart de tour? Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigubruk. Quoi, c'est les références chez Ikea. Le genre de truc que t'assumes pas, tu sais, moi je suis sûr que le blond il doit assumer ce genre de choses. C'est le mec, le blond, il doit aller là-bas dire « Il vous reste des bibliothèques Frugeburg ?» Y'a Ikea à Lyon? Oui. Ça va, oh, oh. C'est pas une fierté nationale, j'ai pas parlé d'un poète qui est né dans la région. C'est que Ikea, hein. Moi j'aime pas Ikea. Enfin, c'est pas que j'aime pas Ikea, c'est pratique, mais j'aime pas y aller, quoi. Même les grands magasins, j'aime pas, parce que déjà, à chaque fois que tu dis que tu vas y aller, il y a quelqu'un de ta famille qui veut venir avec toi, ça m'énerve. Et si ils viennent pas avec toi, ils te demandent de leur ramener un truc comme si t'allais dans un pays lointain, tu vois. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari « Je te dis que c'est par là, les assiettes !» T'as que des mecs en train de dire à leur femme « Fais voir, ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. » T'as vu, chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter. Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter, et petit à petit, il te vient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer, tu sais. Comme si t'avais un pouvoir, tu dis, putain, tout est mesurable. Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis, oh, 47, j'aurais dit plus. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer, on te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison, ils travaillent sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit, on peut pas vous dire l'heure, je suis désolé, en revanche, on peut vous donner une fourchette. Je crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je vous rappelle. Mais nous, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame. En plus, quand on te livre, il faut que tu montes le meuble toi-même. Moi qui suis jamais arrivé à monter un jeu qu'il y a dans le Kinder, là, que tu veux montrer. Bibliothèque. Ah, mais ils sont durs, ces jeux à monter dans le Kinder, je suis désolé. Attends, ils sont galères à monter, tu mets 2 heures, si tu dis, le môme, l'œuf en chocolat, il a fondu déjà partout. T'es là, au bout de 2 heures, tu craques, tu lui fais croire qu'il y avait qu'un chapeau de Lucky Luke dedans, tiens, voilà. Ils ont mis qu'un chapeau, je sais pas, c'est bizarre, hein. Après, t'essayes de parler avec lui, mais il a 3 ans, t'as déjà essayé d'avoir une conversation avec un enfant de 3 ans, c'est comme si tu parles avec un mec qui est bourré, sérieux, c'est pas possible. Je te jure, le mec il est là, il fait « Quand mamie à la piscine, il disait mais à la cantine, et toujours il y a un avion, mais les autres. »